rencontré par le biais de Rivalis, qui est en partenariat avec Henri pour notre logiciel de facturation entreprise. Suite à ça, en fait, on a réussi à faire un rendez-vous ensemble. Et c'est là où Sébastien a pu, dans un premier temps, apporter son aide. Ça nous a permis, en fait, en expliquant un peu nos problématiques, de cerner ce qu'il fallait retravailler pour pouvoir améliorer nos points faibles, pour pouvoir les passer en points forts. Nous, on a démarré l'activité donc de bien manger sur des estimations. On n'a pas fait un gros prévisionnel, donc avec lui, on a pu revoir et remettre à plat complètement notre prévisionnel de manière à obtenir en fait un résultat tout à fait dans nos espérances. Mais on fait un point par mois et on explique nos avancées, ce qu'on a fait, voilà, les nouvelles choses, les points positifs, les points négatifs. C'est un partenaire rassurant, c'est un partenaire en qui aussi on a confiance. Il fait partie de bien manger et à chaque fois quand on a rendez-vous avec lui, même si nos semaines sont très chargées et qu'on n'a pas le temps, c'est toujours très plaisant de rencontrer Sébastien parce que finalement il y a un rapport amical qui est là. Donc, et puis on peut parler en toute confiance et il nous dit aussi tout de suite si ça va, si ça va pas et on prend le temps d'échanger ouais, complètement. On peut même pratiquement dire qu'il est associé, quoi. Donc il nous permet en fait de recalculer aussi bien nos marges, apporter ses conseils sur des mises en place, sur des nouveautés, sur ce qu'il faut aussi voir et découvrir, sur ce qui se passe aux alentours. Sur quels critères conseiller Sébastien? Vraiment son côté professionnel, sa disponibilité et sa souplesse et son écoute. Surtout son écoute aussi qui permet de... Parce qu'il est, quand même dans l'analyse financière, mais dans l'analyse en même temps de l'entreprise et des personnes qui gèrent les entreprises. Et son écoute est très importante puisque une fois qu'il a entendu en fait nos demandes et tout ce que l'on souhaite, il met avec nous les choses en place.